السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي على قناتكم لتعلم اللغة الفرنسية. درس اليوم هو عبارة عن نص من خلاله سنضرب عصفورين بحجر، أي سوف نتعلم كلمات جديدة وكذلك سنخرج بمعلومات مفيدة. أتمنى أن تنال فكرة اليوم إعجابكم، وإذا كانت لديكم أي اقتراحات لمواضيع تريدون أن نتناولها في الدروس القادمة اكتبوا لي هذا في التعليقات أصدقائي. حتى لا أطيل عليكم لنبدأ. Les effets des écrans sur nos yeux. L'utilisation prolongée des écrans de type smartphone, tablette et ordinateur a un impact sur notre vision. Le premier impact est l'utilisation prolongée de la vision de près lorsque vous fixez un écran. En effet, le fait d'utiliser sa vision de près de façon inhabituelle et prolongée peut favoriser le développement de la myopie. Comment éviter le développement de la myopie? Pour éviter ce phénomène, il est recommandé par les experts de faire des pauses de 20 secondes toutes les 20 minutes. Pensez à regarder au loin ou clignez complètement les yeux pour bien relâcher les tensions. L'utilisation prolongée de la vision de près peut également générer de la fatigue visuelle, des sensations de tiraillement ou des migraines. Et cela peut causer aussi la sécheresse oculaire. Lorsque l'on regarde sur un écran, peu importe qu'il soit petit ou géant, l'on ne cligne que très rarement les yeux. Autrement dit, les yeux clignent moins de fois qu'ils ne devraient lorsqu'ils sont face à tout type d'écran. Face à ces situations, ils n'arrivent pas à s'hydrater régulièrement, car, comme vous pouvez l'imaginer, c'est le fait de cligner les yeux régulièrement qui les maintient hydratés. Ils s'assèchent donc peu à peu et vous donnent une sensation que l'on qualifie d'œil sec. Après avoir passez toute la journée à regarder des films à la télévision. Vous vous rendez compte que vous êtes tout fatigué. Bien que vous ne soyez resté qu'assis dans votre fauteuil, vous avez l'impression qu'un camion vous est passé dessus. Alors que vous êtes peut-être resté allongé tout au long de la journée. Vous vous demandez ce qui peut bien vous arriver. C'est simplement l'effet de l'écran de votre télévision. Vous ne le savez pas, mais vos yeux s'en sont rendus compte. Les effets des écrans sur nos yeux. L'utilisation prolongée des écrans de type smartphone, tablette et ordinateur a un impact sur notre vision. Le premier impact est l'utilisation prolongée de la vision de près lorsque vous fixez un écran. En effet, le fait d'utiliser sa vision de près de façon inhabituelle et prolongée peut favoriser le développement de la myopie. Comment éviter le développement de la myopie? Pour éviter ce phénomène, il est recommandé par les experts de faire des pauses de 20 secondes toutes les 20 minutes. Pensez à regarder au loin ou clignez complètement les yeux
pour bien relâcher les tensions. L'utilisation prolongée de la vision de près peut également générer de la fatigue visuelle, des sensations de tiraillement ou des migraines. Et cela peut causer aussi la sécheresse oculaire. Lorsque l'on regarde sur un écran, peu importe qu'il soit petit ou géant, l'on ne cligne que très rarement les yeux. Autrement dit, les yeux clignent moins de fois qu'ils ne devraient lorsqu'ils sont face à tout type d'écran. Face à ces situations, ils n'arrivent pas à s'hydrater régulièrement, car, comme vous pouvez l'imaginer, c'est le fait de cligner les yeux régulièrement qui les maintient hydratés. Ils s'assèchent donc peu à peu et vous donnent une sensation que l'on qualifie d'œil sec. Après avoir passé toute la journée à regarder des films à la télévision, vous vous rendez compte que vous êtes tout fatigué. Bien que vous ne soyez resté qu'assis dans votre fauteuil, vous avez l'impression qu'un camion vous est passé dessus, alors que vous êtes peut-être resté allongé tout au long de la journée. Vous vous demandez ce qui peut bien vous arriver. C'est simplement l'effet de l'écran de votre télévision. Vous ne le savez pas, mais vos yeux s'en sont rendus compte. الآن سوف نتعرف على أهم الكلمات التي رأيناها في نص اليوم. Les mots-clés du texte. Impact. Impact يعني effet, معناها تأثير. Impact. رأينا كذلك الفعل أو le verbe prolonger. Prolonger معناه يمتد أو يطيل. Prolonger. Inhabituel. Inhabituel يعني غير عادي يعني غير معتاد. Inhabituel. La myopie. La myopie يعني قصر النظر. La myopie. La sécheresse. La sécheresse يعني الجفاف. La sécheresse. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس. أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم. إلى فيديو قادم إن شاء الله والسلام عليكم.